Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? On est mercredi et il fait apparemment plutôt beau. Je vois des rayons de soleil sur mon carrelage. Et mais il y a toujours autant de vent et j'ai ma poubelle qui est tombée tout à l'heure. Voilà, il y a une bonne rafale comme il faut. Du coup, ça a volé dans la cour. Bref, c'est pas grave. Salut! Je suis accompagnée de monsieur Râleur. Salut. Ouais. De monsieur... Non mais... Nil, c'est normal ça? Voilà. C'est quoi ça? Nil? Voilà. Ouais. Il y a Kili et bien évidemment, il y a mon monsieur Patapouf. Monsieur est en train de se réveiller tranquillement dans le lit. Donc ce matin, on est réveillé de bonne heure exceptionnellement. Parce que normalement, le mercredi matin, il n'y a pas de rendez-vous ou de course. On évite de les faire le mercredi. C'est le jour où Kevin peut plus se reposer. Mais aujourd'hui, non. Parce que on doit aller à son travail, clairement, pour aller voir pour notre nouvelle voiture. Donc la voiture est arrivée, mais il faut qu'on finalise les papiers. Mais ils sont molles. C'est quoi ce problème là? Ah, ça colle aux dents. Hein. Ah, caca. Ah, caca. Ah, ça y est. C'est le caramel qui s'est collé à tes dents. Donc du coup, voilà, ça va nous prendre une petite heure, je pense. On a rendez-vous à 9h30. Faut que je pense à prendre le dossier par contre, il est prêt, il est... c'est bon, mais... je vais reprendre au cas où s'ils en ont besoin. Ah caca. Ah caca. Donc voilà. Et il faut que j'aille chercher du lait parce que sinon demain matin on déjeune pas. Mais non. Mais non, il n'y a plus de lait. Vous, c'est une brique de lait par jour. Hein. Là encore. Non, il n'y en a plus, regarde. Là oui. Ouais, il en reste un petit peu. Donc voilà le petit chameau du jour. Ça y est, tu t'es calmé de ta durite d'hier? T'as fini de péter un câble? Kiki. Toi, hier dans le canapé là. Ouais, maman? Non, ton frère, hier, tu sais, dans le canapé là, quand il mordait et tout. Oui, parce que je vous ai pas fait voir dans le... Je l'ai pas mis dans le vlog, hein, mais hier, ma soeur lui a fait voir une canette de coca, des petites barquettes au chocolat, et ça a suffi à Nil pour disjoncter pendant un bon quart d'heure. Voilà, il était opérationnel hier. Donc du coup, il me sautait dessus, il m'a mordu... Au départ, il faisait pas fort, mais à un moment donné, je sais pas, il s'est contracté et il a bien serré.
Donc c'était super quoi, j'avais du sang sur moi. Il a bouffé sa mère. Bah oui, vraiment. Tu vas t'habiller, ça finit de déjeuner. Ouais, bah tu vas oublier pas de te laver les dents avant que papa aille dans la salle de bain. Maman. Mathis va aller s'habiller aussi. Toi. Hein? Attends. Je dois attendre. Ouais, c'est toi. Mais sérieux? Voilà. Ah, les dents. Ah oui. Oui, mais d'abord tu vas t'habiller. Voilà. Oh bah oui, vas-y, carrément. On respecte plus les codes. Cochon. Elle est ouf, ça va. Vous allez voir. Hey. Hey, elle est déjà. On va voir comment t'es un grand. On me dirait que tu m'as déjà baptisé le plan de travail. Où? T'as mis du chocolat partout sur le plan de travail. Hey. Il va falloir mettre des serviettes dans pas longtemps. Où? Allez, bois ton lait. Igloo. Bah c'est comme l'autre, hein. Tu mets un comprimé dans l'eau. L'eau tiède, pas chaude, mais tiède. Tu mets ta... Tu mets ton appareil dedans, tu laisses tremper 5 minutes, puis après tu rebrosses avec ton appareil, ta brosse à dents là, et tu rinces bien. Voilà, puis après tu vides ton verre et tu le rinces aussi, c'est pas compliqué. Hein. C'est le même, hein, sauf que ça a changé de nom. Igloo, 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 igloo. Alcoolique. Oh la belle moustache! Bon, moi je vais déjeuner comme d'hab, mes petites craquinettes. Tu peux me les casser? Oh, c'est comme ça! Ouais, j'arrive. Du coup, je vous disais, je vais déjeuner. Et là, il faut que je casse les pastilles pour qu'il y ait en fait. J'aurais dû prendre un tube. Coucou tout le monde, je vous ai lâchement abandonné aujourd'hui. Wouh! En 180 degrés! oui, parce qu'on avait rendez-vous avec Kevin pour la voiture ce matin à 9h30. Rendez-vous qui a duré une petite demi-heure, mais vu que bah, j'ai pas fait mon ménage le matin, voilà, ça m'a décalé. Et je ne pouvais pas vlogger avant. Bref, la voiture, c'est bon, les papiers sont réglés et tout. Et heureusement qu'on a eu ce rendez-vous-là parce qu'il y a eu un couac dans le dossier. En fait, nous, c'est une EasyLock qu'on fait. Enfin, normalement, c'est ça, c'est une EasyLock avec possibilité de vente du véhicule. Merci mon petit chat. Vente du véhicule ou nous à la fin de la location ou même avant je crois l'acheter. Quand on a fait les papiers il y a 2 semaines, en fait la dame s'est trompée. Elle nous a fait juste un contrat de location. Donc voilà. Donc du coup, on a dû refaire ça. Bon, ça a pris 2 minutes. C'était pas le truc hyper grave ou quoi. Hein. Mais voilà, ça nous a fait perdre quand même un peu de temps. Bref. Non, mais Ninil, on mange pas son gâteau en faisant son dessin. Tiens. Bah, tu m'as demandé de te le déboucher. Non, pas la bouche. Coquin. Bref. Toi, hey, t'as encore de la place pour dessiner là. Je t'ai mis plein de couleurs, tu dessines. Voilà, bah tu retournes. Donc du coup, voilà, je vais me mettre comme ça parce que j'ai un contre-jour. Du coup, la voiture... Mathis, non, ça va pas le faire, ça. Du coup, on a la voiture jeudi prochain. Donc vous allez avoir ce vlog jeudi. Et bah c'est dans 1 semaine. Voilà, parce que Kevin part 3 jours. Et
Ah bah, ça fait 3 jours où ça nous pompe une semaine en fait. Il part lundi, mardi, mercredi. Revient mercredi, mais dans la soirée. Enfin, je sais pas trop quand il revient. Et du coup, ça fait que lundi, mardi, on peut pas avoir le véhicule, sachant qu'on pouvait l'avoir dès lundi. Donc voilà, on est passé à l'assurance aussi. Nous a donné à peu près les montants qu'on allait repayer. Sachant que là, c'est une voiture un peu plus puissante. Bref. Et voilà. On a hâte de l'avoir. Et l'autre voiture, il faut qu'on aille la déposer sur Rouen le vendredi à 10h. On a rendez-vous. Voilà, c'est calé. Donc, il faut qu'on aille l'amener nous-mêmes. Donc voilà. Donc là les enfants sont en pleine activité dessin. Alors oui, mon plan de travail est en bordel. J'ai beau le ranger, ça revient. Et là ils font des dessins. Maman. Enfin Neil est en train de manger le feutre. Il a pas compris que le dessin c'était sur le feutre. Pas la bouche. Hein. Kili fait ses devoirs. Mais Mathis, regarde! Non, bah non, tu laisses, maman va mettre du produit. Laisse, c'est pas grave, mais vas-y, arrête, fais attention. Comment? Kili, elle fait ses devoirs et je viens de voir dans son cahier de liaison. Enfin, elle me l'a dit ce matin, mais je la croyais pas. mardi, il y a grève. Voilà. Il y a grève des enseignants. Voilà. Et là, clairement. C'est même pas la peine qu'on mette nos enfants à l'école parce que les professeurs, enfin les maîtres et maîtresses, puisqu'elle n'est pas encore au collège, ne prendront pas nos enfants des maîtres et maîtresses qui font grève. Donc là, clairement, hein, voilà, mardi on est à la maison. En même temps, ça m'arrange un peu parce que sortir, vu le temps, voilà, hein, mais ça m'énerve. Mais bon, faut bien qu'ils se fassent entendre. Pourquoi tu fais pas un bonhomme? Pourquoi pas? Tu sais pas faire un bonhomme? Non. Bah t'en as fait un dans ton cahier l'autre jour. Une tête, des mains, des pieds, un ventre, des jambes. Non, tu veux pas? Non. Sinon, le gâteau, il était bon? Gâteau bon. Le gâteau était bon? Oui. Mathis m'a fait une crise de jalousie ce matin, enfin ce midi au dessert. Parce qu'hier j'ai fait un cœur coulant pour Kili pour son anniversaire. Bon, c'est pas, on n'avait pas fait avec les bougies et tout, puisqu'on le fait samedi. Et ce midi, j'y propose un dessert et il me dit non. Moi, je veux un gâteau. Oui. Alors du coup, j'ai dit, bah tu prends ton dessert quand même et ton gâteau, je te le ferai pour ton goûter si tu fais dodo. Bon. J'ai fait le gâteau, mais il a pas dormi. Mais non. Donc bon, c'est pas grave. J'ai fait un brownie aux noisettes et c'était bon. Oui. Les noisettes, ils étaient bonnes. Ah oui. Ouais, maman, les noisettes, elle a concassé. Oui. Donc voilà, donc là ils vont faire du dessin jusqu'à 5h30 je pense. Voilà, voilà. Maman. Et puis après les douches, pyjama, on mange. Et au dodo. Eh hey, Nini, les bouchons. Mais pas les feutres à la bouche, cochon. Ouais, non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Le feu! Ta-da! Tu fais de la magie? Ta-da! Ta-da! Olé! Olé! Le téléphone a failli chuter. Allez, vas-y, dessine-toi. Tu nous fais quoi là? Un arc-en-ciel? Non. Tu nous fais quoi? Ouais. Oh. Quoi?
Caca. Caca. Tu nous écris, Mathis? Non. Non. Oh, Manil, t'es obligée de me tousser dessus, caca. Ah, là, là, mon Kili est en train de faire sa dictée. Et là, je vais corriger. C'est sûr que vous savez. Bah, oui, bah. Bah, déjà, il en manque, hein. J'arrive même pas à te relire. Une plage. Hé Ah d'accord, le petit marche plus. Non, bah tu peux partir, hein, parce qu'il manque 95% des mots, là. Il y a un moche qui joue. Ouais. Révise au lieu de me prendre pour un demi-jambon. Neil. Il est dans son quart d'heure à l'américaine. Et Tata. Non, Tata n'est pas là. Ça y est, Tata elle est partie. Hein. Ouais. Non, tu arrêtes de me mordre. Ah, il a de le don de me mordre la poitrine. C'est sérieux. Sérieux, le killer. Regardez, je vous mens pas, il me ment. Non, stop. Stop. Là, je le porte avec le bras gauche, hein, j'ai très mal à mon bras. T'as fini? En plus, c'est tout bouillant. Mais ça suffit! Neil, t'arrêtes. Tu pleures ou tu rigoles? On sait même pas s'il pleure ou il rigole. Allez, descends. Je vais leur faire à manger, mais... Non, mais stop. J'ai des nuggets au frigo que je dois faire. Donc je vais leur faire ça. Mais ça suffit! Oh! D'accord. On s'appelle, on sort au McDo. Je vous ai laissé tout à l'heure. Je crois qu'ils étaient en train de dessiner. Et ils ont dessiné, mais tout est en bordel. Bref, ils vont manger des nuggets. Voilà. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Oh, surtout ce soir. En plus, Kevin, il mange pas à la maison, il mange au boulot. Donc, c'est parfait. Yeah. Je suis à contre-jour. Il fait style qui vomit. Il est pas sanglé, cet enfant. Ah, putita. Ah bon? Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai le cuir chevelu qui me gratte. Nul, t'arrêtes! J'ai le cuir chevelu qui me gratte là en ce moment, c'est horrible. J'ai des nuggets de poulet, ils vont manger ça. J'ai pas trop envie de me prendre le chou. Clairement là. Aïe! Oh, mais Nul! Neil, dès qu'on passe 6 heures, il commence à avoir faim, il est instable. Mais doucement les doigts. Bon, il faut que je vous laisse là, je vous reprendrai quand le repas sera prêt. Bonjour tout le monde. Bon, ça y est, enfin, les enfants sont couchés. Moi, je suis en train de ranger
et je vais manger devant la télé. Je vais regarder Grey's Anatomy ce soir. C'est une des séries, ma foi, que je suis... Enfin, c'est pas la seule, hein. Il y en a plein d'autres. NCIS, les frères Scott... Enfin, il y a tout un tas de séries que je suis vraiment depuis le début. Et là, Grey's Anatomy, c'est l'une des premières séries que j'ai commencé à suivre. Je me souviens, j'habitais encore chez mes parents et je regardais ça le mardi soir, je crois que ça passait à l'époque. Ou le jeudi, je sais plus. Mais je sais que c'était un jour de semaine et que le lendemain, j'avais école. Et c'était le seul jour où ma maman me laissait regarder la télé avec elle dans sa chambre. Voilà, à l'époque, j'avais pas de télé dans ma chambre. Enfin, voilà quoi. Et c'était le seul petit moment privilégié que j'avais avec ma mère, sachant qu'on était, sachant qu'on était quatre enfants. Donc, bah voilà, vous savez comment c'est quand on est une famille nombreuse et recomposée. On a un peu du mal à trouver sa place. Notre maman a plus trop le temps et tout. Bon, bref, je vous épargne les détails. Et moi, c'était le seul moment que j'avais de privilège avec ma maman. C'était regarder Grey's Anatomy avec elle dans sa chambre. Et depuis, je continue à le regarder, mais par contre sans Killy, parce qu'elle est encore trop jeune, 9 ans, pour regarder ça, c'est un peu short quand même, vu que c'est interdit au moins de 10 ans généralement, et qu'eux, ils ont tendance à nous faire voir des trucs chocs quand même. Donc voilà, là, j'allume mes lumières, mais c'est normal, je vais passer un coup d'aspi. Vous savez, hein, le soir, une fois que les enfants sont couchés, c'est le grand ménage. J'ai des serviettes à étendre, j'ai toujours pas fait... Donc il faut que je le fasse, là j'ai du linge à être plié, il faut que je le range, mais je le rangerai demain matin. Et aussi il faut que je voie avec Kevin pour qu'il me le nettoie. Alors je sais pas si vous voyez vous, je sais pas si vous allez voir, mais en fait on a fait une plancha. Et bah, les vapeurs et les trucs de graisse en fait ça nous l'a taché et il faut qu'il le lave. Mettre un coup de produit et tout. Mais je pense pas qu'on va le faire là, parce que je suis en train de penser, c'est que Saint-Dur a refait une plancha pour l'anniversaire à Killy. Enfin, normalement, c'est une plancha. Je dis bien normalement, parce que chez nous, on change tellement d'avis que voilà, là, je vais aller chercher mon aspi. Par là, j'ai pas besoin, parce que je l'ai fait ce matin. Mais aujourd'hui, je sais pas ce que les enfants avaient. Mais ils ont vraiment mangé comme des cochons. Donc voilà. Voilà, voilà. Désolée, j'ai coupé parce que j'ai reçu un message qui ne me plaisait pas. Donc voilà. Et comme il se passe un truc trop chelou sur mon ordinateur, voilà, du coup, j'ai préféré vérifier. Donc les enfants se sont endormis, donc c'est bon. Et là, je vais pouvoir passer l'aspirateur. Alors oui, je passe l'aspirateur à 9h du soir, parce que clairement, sans vous mentir, il est 9h. Et je passe l'aspirateur chez moi. Mais je vous rassure, mes enfants sont largement habitués. Voilà, le seul truc qui peuvent les réveiller, c'est les détecteurs de fumée quand ils s'enclenchent ou un orage. Voilà, parce que même quand je me mets à exploser de rire, hein, en train de faire l'idiote avec Kevin, enfin bref, voilà quoi. J'ai réveillé clairement pas mes enfants, l'aspirateur ça les dérange pas. Voilà, mes enfants sont habitués à la vie de tous les jours. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Et heureusement, parce qu'il y a des fois quand on a des fêtes et tout, et qu'on n'a pas de lit ou la poussette et tout, enfin même quand il y a la poussette, hein, mais on les allonge par terre avec un plaid, avec une veste sous la tête et tout, et ils s'endorment. C'est hallucinant, même à côté d'une musique, mes enfants s'endorment. Bon, après, il vaut mieux ça, hein, que des enfants saoulants et tout. Bon, en même temps, je suis pas assez souvent invitée, donc c'est bon. Mais voilà, donc eux, ils sont habitués. Ils savent que de toute façon, c'est moi qui passe à spi, il n'y a pas de danger. Donc voilà, voilà. Par contre, je commence à vraiment avoir faim, donc je vais vite me dépêcher. Et en plus, ouais, parce que Grey's Anatomy, ça va commencer. Et je supporte pas commencer un truc et rater le début, en fait, de diffusion.
Vous savez, là, les premières minutes ou quoi, ça me gave. Donc voilà, donc là, je vais passer l'aspi. Il faut que je passe le balai vapeur aussi. Mais je crois que je le ferai carrément demain. Au pire des cas, c'est pas très grave. Mon sol est encore assez propre, mais je sais que là, il faut vraiment que je le lave. Ou au pire, je passerai carrément la serpillière demain. Donc là, je passe le balai. Je vais manger. Je prendrai ma douche tout à l'heure. Une fois que ça sera fini, ça, c'est pas le problème. Donc voilà, c'est parti pour l'aspi. Voilà, comme vous l'avez vu, mon aspirateur est fait, toute ma cuisine est rangée, moi je viens de passer à table, je mange juste de la purée avec la rôle de porc que j'ai fait hier midi, voilà il restait 2-3 morceaux donc je vais les manger là, et là je viens de me placer devant Grey's Anatomy, et bon, je fais des conneries, j'espère que ça va commencer. Voilà, c'est bon. Nickel, c'est pas commencé. Je suis trop contente. J'ai juste eu le temps. Je vais juste éteindre le son. Voilà. Et bah voilà, demain, on n'a rien de spécial à faire. Mais j'aimerais faire le tri dans l'armoire de Mathis. Tout ce qui est petit pour lui, le remonter pour Neil. Voilà, puisque Neil maintenant met un peu de 3 ans. Comme là, ce soir, vous l'avez vu avec un t-shirt, c'est du 3 ans. Et c'est à Mathis. Donc voilà, tout est un peu mélangé chez Mathis, donc j'aimerais bien faire ça. Et puis, bah voilà, il faut que je repense à la valise de Kevin aussi. Donc voilà, il faut que je me motive et il faut que je sorte mon autre poussette aussi. ça va me prendre 5 minutes. Parce que j'ai la verbaudée qui est là. Mais la bitue n'est pas compatible dessus, en fait. J'arrive strictement pas à la mettre. Donc, Nil s'est pris plein de flotte mardi et il est hors de question que demain, il se reprenne une demi-tonne d'eau. Donc sur la Lola que j'ai, je sais plus, enfin c'est une bébé confort, bref. Je vais lui sortir et puis la bite puis il va nickel dessus puisque c'est compatible avec la poussette. Donc voilà, donc là moi je vais vous laisser, je vais profiter de ma petite soirée au calme. Voilà, c'est des moments que j'adore, voilà, c'est une fois que mes enfants sont couchés et que Kevin est encore au boulot malgré qu'il ne me dérange pas, mais... voilà, j'ai un petit moment pour moi et je suis contente. Et après dodo, demain matin, bah, le réveil c'est 6h, 6h30. Voilà, si je dors bien cette nuit. Et puis, bah voilà. Voilà, voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube si c'est pas encore fait. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour voir dès que je poste une vidéo sur les réseaux sociaux, sur Instagram les mini monstres et sur ma page Facebook la famille Vanier ou les mini monstres, ça dépend comment qu'on cherche en fait. Voilà, et moi en attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.